Au bout de quelques jours, Irène se sentit contrainte. Ne coucher que dans la chambre rouge lui devint insupportable. Achiltrul n'avait pas eu le temps de prévenir la crise, un de ces accès de rage aveugle qui parfois secouait si terriblement Irène. La mer, que brisait au couchant une raie d'écume, découpait le rivage, formait des calanques, des ravins, et épuisait sa colère contre les rochers et des rochers noirs, où les vagues s'endormaient au sein d'eau morte, pareilles à des nappes d'huile.